Amis, comment nous? M'espère que nous sommes toutes en forme. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous et avec nous qui est content pour venir parler de nos informations sportives sur le plan local, national, comme tu as dit, national et international. Je vais parler nous directement de la sélection nationale du pays d'Haïti, mais c'est nos affaires, mesdames, nos affaires U17, que après que nous t'ayons annoncé, qu'on a annoncé qu'Haïti va organiser une phase pour senior, nos affaires féminines, nos affaires championnat. De la CONCACAF pour désigner l'équipe qui va participer dans la Coupe du Monde 2023 pour mesdames et mesdames et nos affaires seniors et puis tout dans les Jeux Olympiques 2024, dans la Gold Cup 2024 qui a fait là dans les États-Unis. Ça a été un bon programme pour ça. Eh bien, je dis à Yoran, dis aux 10 villes d'informations depuis à côté que. Il y a une compétition qui va l'organiser à partir de mois ça qui vient là pour commencer dans mois ça et puis cap bout en 2022 qui c'est éliminatoire Coupe du Monde et Coupe du Monde Inde 2022. On va parler de tout ça, comment Haïti lui-même est exempté du premier tour. On va parler comment en phase finale pour aller et comment qui chance Haïti gagne pour ta qualifier pour Coupe du Monde ça dans affaire U17 pour féminine. Et puis tout, ma fonte écoute parler des affaires monsieur ça qui c'est Kylian Mbappé. Il est même qui déjà gagné numéro fixe que tu as prévoir pour aller dans l'équipe Real de Madrid là et puis tout n'a bon l'autre information catégoriquement. 7 à 10 minutes, n'a pas venu pour nous parler de ça. Bon, petit temps, non. Mon petit temps pour remercier les amis et familles qui sont toujours connectés avec Chanel là, qui pas jamais suspendre. Bah, non, love là, qui toujours invité, on l'autre ami, on l'autre confrère, viennent participer à Chanel là. Bah, jamais suspendre, remercier mon Saint-Domingue, Haïti, mon Brésil, mon États-Unis, la France, quel que soit côté que Chili, quel que soit côté que bah, Chanel ça, moi salut, et me tchap pour me bah, devant pour me dire merci et continuer de nous avancer parce que rêve pas non. C'est pour tes informations, bah, ou là, car, ou quel que soit côté lié. Nous parlons directement, on a commencé avec information qui vraiment nécessaire là, c'est de la sélection nationale pays d'Haïti. Sélection nationale pays d'Haïti, U17 là, nous a fait jeune timide ami, yo, bien qu'on a fait la même qui fait information ça hier, que lui-même l'a publié le matin, que j'ai accès avec information ça, grâce avec, toujours dit ça, écoutez, mes jeunes informations, et puis, malheureusement, catégoriquement, c'est sur site qu'on a fait là, et constato. Qui parlait de les affaires de la des affaires Saoli et CONCACAF, lui-même instance qui c'est instance suprême dans zone les affaires Caraïbes qui c'est Amérique centrale, Amérique centrale, Amérique du Nord et Caraïbes côté que il parle il annonce que Haïti lui-même qui exempté qui pas participer dans la première phase là côté que et nous avait cap déroulé à partir du 20 octobre cap vin là pour le 1er novembre 2021 dans l'académie Brenton dans Floride côté que à partir gain pral gain 16 pral gain près de gain 16 équipes qui participer dans tournoi ça 16 équipes ça côté Haïti lui-même n'est pas participer dans la donne Haïti qui a participé dans deuxième tour. Et comment ça va aller pour équipe qui a pas participé dans deuxième tout ça dans premier tour côté que premier tour qui gagne groupe Aladdin qui gagne Sainte-Kitts-et-Nevis qui gagne un tour Dominique et le Vierge américaine Suriname groupe B qui gagne Barbade Curaçao Belize et Saint-Vincent et Grenadines groupe C qui gagne Honduras et Caïmans Antigua qui gagne Turks et Caïcos et puis groupe D qui gagne Antigua et Barbuda Sainte-Lucie Guyane et puis la Guadeloupe. Depuis, on a dit que chaque phase a été faite à côté que chaque équipe a recevoir 3 matchs et c'est 3 matchs la pied la pied, 3 matchs aller-retour avec que premier dans chaque groupe, 4 équipes qui la pied, c'est 4 groupes, chaque premier a qualifié. Côté au pral rejoindre l'autre 12 pays qui déjà arrêté là pour venir nous faire 16, qui est dans le deuxième tout ça, qui passe championnat féminin de moins de 17 ans qui a fait la CONCACAF en 2022, qui capable qui doit jouer dans le premier trimestre, je dis premier trimestre, avait dit premier 3 mois, on a dit premier trimestre, c'est premier trimestre de l'année, ça veut dire il est capable de jouer la partie du premier 3 mois, on prend, il a joué sa partie de janvier 2022 à janvier, février, mars, il a joué côté que 16 pays qui pral participer là-dedans, dans 16 pays ça, c'est là Haïti pral jouer côté que et
trois meilleures équipes dans chaque groupe pour le qualifier. Ça veut dire que dans 16 équipes, ça, trois meilleures pour le qualifier. Pour le gagner 12 cap qualifier, ça veut dire que dans 16 équipes, ça, pour le gagner pour jouer dans affaire et quart de finale, pour être capable de jouer directement. J'aime dire là, trois meilleurs à jouer passer pour 8e de finale. Côté que, il va jouer quatre vainqueurs groupes, pour le gagner quatre vainqueurs groupes. Intégralité phase, ça, pour le fait, ils ont son direct avec un seul match. Là, on vient à 8e de finale, son seul match, il y a un quart de finale, demi-finale, yon seul match qui cap gagné pour arriver dans la finale. Côté que gagnant, la gagnante, là, deuxième là, et troisième là, yon même yon pral jouer Coupe du Monde directement, avec premier à moun cap gagné, cap champion, cap li pral jouer Coupe du Monde là, et troisième là pralé, et puis quatrième là, les mêmes. Je dis que et si a qualifié directement et toi premier deuxième troisième a qualifié pour préparer le troisième place là il parle qualifié directement pour Coupe du Monde 2022 à Cap fait et Coupe du Monde 2022 fini dans Cap fait U17 Cap fait dans pays 1 à partir de 30 à partir de 11 et 30 octobre 2022. Ça veut dire que Haïti a des chances pour que lui-même est capable à participer parce que là c'est que c'est trois équipes qui ont qualifié seulement dans U17 là. Ça veut dire que il va faire match pour la troisième place. Troisième place là veut dire que champion en titre là, champion cap monde cap champion cap participer deuxième là aller troisième là. Il prend la troisième place là, il a qualifié directement. Ça veut dire que Haïti qui est exempté des premiers tours, qui a parti de moi, ça cap vite là, en octobre là, c'est passé octobre pour l'entrée, septembre, octobre, avec c'est octobre là pour commencer. Et octobre pour premier novembre la fini les ça à partir de janvier il va commencer janvier ou soit février ou pourquoi bail date là directement que il va commencer avec deuxième phase là c'est même si moun sa cap joue actuellement là dans CFI challenge en cap fait au niveau République Dominicaine là c'est même si moun sa qui pral jouer éliminatoire à Coupe du Monde 2022. C'est comme ça pour affaires féminines. Ça veut dire que Haïti a des chances là pour l'État jouer une qualification pour cette compétition ça pour être capable même dans la Coupe du Monde 2022. Dans la Coupe du Monde 2022, qu'a fait dans le pays 1 de sortie 11 pour arriver premier, pour arriver sortie 11 pour arriver. Pour le 30 octobre 2022. On dit que pour nous finir, gagner information qui n'a pas partagé ensemble avec vous là. Ça, d'après Journal As, Real de Madrid qui déjà réservé numéro 5 côté qui numéro 5 ça c'est Jesús Valeo qui portait là actuellement après Varane lui-même qui portait numéro ça. Mais c'est ancien numéro mythique numéro chance il y aurait le numéro de chance que Zidane était porté dans l'équipe ça numéro 5. Il est arrivé réservé numéro 5 là. Pour que Kylian Mbappé t'apporte numéro 5 là, il fait qu'on est un transfert qui t'a envoyé de 170 millions d'euros plus 10 millions bonus prime ou soit bonus qui t'a venu ici en 180 millions d'euros pour transfert Kylian Mbappé dans Real de Madrid. Ça veut dire son transfert d'après quelque fois ce qui t'a fondé qui déjà un accord qui t'a trouvé entre Kylian Mbappé et Paris Saint-Germain et Real de Madrid pour transfert. C'est un jour captain là pour catégoriquement pour transfert à fait parce que je dis à 27 seulement été 4 jours 31 mois ça match transfert lui même la fermé à minuit la fermé ça veut dire que Gabriel Bagay qui a fait gain tout gagné l'autre joueur là gagné Karim gagné Marcelo pas parler de Basile c'est pas Marcelo monsieur gagné et Casemiro lui même qui prolonge le contrat jusqu'en 2025 avec l'équipe Real de Madrid là gagné tout gagné Cristiano Ronaldo lui même qui a annoncé avec Juventus la petite équipe là pour toute possibilité là c'est d'aller dans Manchester City d'après un peu d'informations qui t'a connu déjà gagné en tête pour ta trouver entre équipe Manchester City et Cristiano Ronaldo pour ta signer un contrat absolument pour nous connaître comment ça lui-même lui parler et bien après te connecter sur channel là pour plus d'informations pendant journée ou surtout pour suite et actualité sur channel pour l'an qui channel 1500 ans. Ciao ciao à la prochaine.